C'est pour Mayotte Première, site internet et les téléspectateurs et internautes mahorais. Pourquoi est-ce que l'aïeul de Félix Mérine et du FR Géant, qui gagne beaucoup d'étapes, s'appelle 17 secondes? Eh bien, c'est parce qu'on a, perdu un tour de yole à 17 secondes, tandis qu'on avait 14 minutes de retard. On a retiré plus 35 secondes qu'on leur a donné, mais on a donné le tour de yole à Cotrel. C'était sur la dernière étape? Sur la dernière étape. D'accord. Et c'est le nom donc de la yole qui À partir de ce jour-là, on l'appelle 17 secondes. D'accord. Et ça fait combien de tours qu'elle court, cette yole? Pratiquement 5 ans. 5 ans. Tous les ans, ils ressortent la même yole? Ouais. Et elle est restée, au garage combien de temps? Et pratiquement 3 ans sans servir. La yole qui gagne actuellement? Ouais. Elle a été fabriquée par qui? Par Mérine. D'accord. Et c'est coéquipier. D'accord. Merci beaucoup. Nom, prénom, qualité? Edgar Lanoir, coiffeur. Un petit message aux Mahorais? Je les remercie. Je pensais arriver un jour chez eux. Super. Merci beaucoup. T'en prie. Mais je crois savoir que Pierre Accoli, ça a porté malchance l'année dernière à Félix, qui a coulé à Caracoli, c'est ça? Oui, la caravelle. Ouais. Et qui peut me dire pourquoi la yole s'appelle 17 secondes? 17 secondes parce qu'on a été volé. Ah, on a été volé. Ah, oui. Pas volé. On a perdu. Pas volé. On a perdu. Ouais. 17 secondes. Mais le truc était dans notre plein. C'est bien ça. Non, moi, non, on n'a pas été volé. C'est que dans la bouée, c'est dans la bouée que c'est parti, mais on n'a pas été volé, on a gagné royalement. Ils ont gagné royalement, c'est pas été volé, non. C'est pas été volé. Mais 17 secondes, c'est quoi? Non, c'est parce que c'est nous, on a donné le bâton de 17 secondes, parce qu'il va tellement vite, alors on a donné le nom de 17 secondes. D'accord. C'est pas une différence de temps lors d'une arrivée? Non. Il y a volé nous 17 secondes, le rappelez-vous. Ah, on nous a volé les 17 secondes. Donc c'est pour ça qu'on appelle 17 secondes. Mais qui a volé? C'était au Vauclair. Là, on est arrivé à l'arrivée du Vauclair. Mais oui. Donc on a laissé, on était tellement dégoûtés qu'on l'a laissé au garage. Cette yole? Oui, c'est une yole qu'on avait laissée au garage. Combien de temps? Elle est restée 2 ans, on ne s'en est pas occupé. D'accord. Et c'est celle qui a repris, elle a voulu reprendre sa revanche l'année dernière. Et puis l'année dernière, c'est l'unité pauvre. Voilà. Et puis cette année, elle nous a dit elle est d'accord. D'accord. Parce que c'est une yole qui parle d'elle-même. Hein. Quand elle arrive à l'arrivée, elle sent l'arrivée. Parfait. Voilà. Merci bien. Ok. Est-ce que vous pouvez dire un mot pour les Mahorais, les gens de Mayotte? C'est pour le site internet de Mayotte Première, ça. Leur dit quoi? Donnez-leur envie de venir à la Martinique. Eh bien oui, venez, parce que je suppose que vous aussi, vous avez sûrement une compétition, peut-être pas de bateau pareil que nous. La course de pneus là-bas. Voilà, et qu'ils viennent nous voir plus souvent. Voilà, parce qu'on aimerait bien les rencontrer. Merci beaucoup. Parce que moi aussi, j'aimerais venir à Mayotte un jour. Super, merci. Voilà.